Je salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous êtes bien. Yes. J'espère que nous sommes bien. Je me dis nos bagailles. Même l'aime pas te sentir bien physiquement. Matin, je me dis faut me venir là. Faut me venir là matin. Et je me t'a remis non seulement l'église et toute l'église porte toi tu matin. Yo prêter attention pour nous voyager dans la Bible ensemble. Mais pour tout le monde qui attend de nous, un peu partout, quel que soit côté. Et matin, nous allons voyager dans la parole de Dieu. On nous lit un grand verset avec nous. Nous lisons un grand verset. Qui est dans Jacques chapitre 1er, verset 18. Un seul grand verset nous lisons avec nous matin. Mais ça le dit. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et n'a utilisé un sujet matin, hein? C'est le chrétien face à la vérité. Le chrétien. Pour l'église, nous les amis là. Ma partie, attention pour me dire la Bible claire dans Jacques chapitre 1 verset 18, il dit chrétien prend naissance dans la vérité. Ça veut dire c'est par la vérité et dans la vérité nous prend naissance, nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient de la vérité. Eh bien, matin, hein, nous allons partager avec trois comportements où doit adopter face à la vérité. Quoi l'église a là? Amen. Trois comportements où doit adopter face à la vérité. Mais il y a deux comportements qui passent sous vous. Mais nous avons arrêté dans le troisième comportement. Chrétien doit gagner face à la vérité. Pourquoi nous tout attendons là? Premier bagaille, là on parle de vérité. Je dis vérité, c'est la connaissance que vous apprenez sous bon Dieu. C'est la connaissance, c'est connaissance que vous apprenez sous bon Dieu. Si vous avez gardé une définition. Biblique, théologique. Donc, c'est vérité ou apprendre sous bon Dieu. C'est ça, vérité. Mais, ou est vérité, ou pas qu'à parler de vérité sans connaissance. Mais, il y a un mot qui domine la question vérité, c'est la connaissance. La connaissance. Et connaissance, non? La Bible présentait deux types de connaissances. Alors, dans deux types de connaissances, alors, il y a plusieurs, alors nous avons dit qu'il y a plusieurs connaissances, jusqu'à cinq même types de connaissances, même dit la Bible présente deux types de connaissances. Là, on parle en grec, on parle de gnosis, et gnosis, il traduit dans le Nouveau Testament, où nous sommes capables de dire dans la Bible, il traduit 28 fois. Il traduit 8 fois patience. Et il traduit, alors, je me dis, il traduit 129 fois. Il traduit 28 fois patience. Et il traduit 8 fois par sagesse. Et dans l'autre côté, il traduit tantôt
ouais, li bayon figure sagesse et qui mélangeait avec la science, avec des connaissances que ou apprenne. Mais gagné yo parlait de épignosis, là yo parlait d'épignosis là, yo dit c'est vraie connaissance là. Vraie connaissance là. Ou capable gagner gnosis là ou pas gagner épignosis là. Avec dire ka gagner connaissance mon pas gagner vraie connaissance là. Est-ce que l'église a là? Bien, la connaissance yo parle de n'importe 5 sortes de connaissances. Et 5 sortes de connaissances, yo parle de connaissances instinctives. Nous connaissons connaissance ça, c'est connaissance qui naît dans gène nous. Avec dire il fait dans gène non seulement humain mais même bête là, il fait avec elle. Elle dit yon bête, l'elle fait c'est pas un monde qui apprend ni pour manger zèb. Mais où elle levé où elle apprend manger zèb. Ça veut dire son connaissance qui inné dans gène ni qui fait ou pas besoin d'il manger zèb là, l'a manger zèb. Est-ce que là si moun nan ou pas besoin à la prendre ni elle fin grand pour dire pour prendre tête maman. Mais ou après depuis le sorti dans ventre maman, donc li connaît pour tête maman. Donc ça c'est ça que les connaissances et ces connaissances instinctives. Donc connaissance ça instinctive là, donc c'est connaissance qui inné. Mais qu'est-ce que les connaissances naturelles? Connaissance naturelle là qui s'allie, c'est connaissance la nature enseigne nous sous mon Dieu. Et dans connaissance ça apôtre Paul prend le soin pour le dire. Donc qui tout monde qui pas tant de parler de bon Dieu même un jour l'a jugé. Même l'elle pas tant de parler de bon Dieu un jour l'a jugé parce que la nature enseigne bon Dieu. Donc puisque la nature enseigne bon Dieu, donc les m'a gardé la nature, m'a gardé pied boyo, m'a gardé zebio et normalement faut me connait bon créateur. Yo pa, c'est bon bon matin. Donc pied bois yo vini comme ça, mon yo vini comme ça. La terre placée, Jean le placé à son être suprême qui mettait là. Donc si me pas décider pour me chercher connait être suprême ça, donc moins coupable devant mon Dieu. Donc si cela veut dire même les nous pas tendre, yon moun pas tendre parler de la Bible un jour, donc l'a juger et moun ça pral dans l'enfer. Donc, il y a ça qui est connaissance intellectuelle. Connaissance intellectuelle là, c'est connaissance qui siège dans l'âme l'homme. Donc, connaissance ça siège dans l'âme à partir de ça que vous apprenez. Donc, à partir de ça, vous apprenez connaissance ça, li siège dans l'âme. L'intelligence, parce que l'âme, il y a 3 parties là-dedans. Dans l'âme l'homme, il y a 3 parties. Li gagne volonté qui pour soi choisir, li gagne sentiment qui pour soi aimer, li gagne intelligence qui pour soi penser. Ça veut dire ni capacité pour l'homme penser, ni capacité pour l'aimer, c'est dans l'âme lié. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que l'église a là? Donc finalement, ça veut dire connaissance ça c'est dans l'âme l'homme li chita. C'est ça que les connaissances spirituelles. Connaissance spirituelle, c'est connaissance nous apprendre de bon Dieu, la Bible enseigne de bon Dieu. Connaissance ou gagnant de la Bible, connaissance ou gagnant des créateurs, connaissance ou gagnant de l'homme, ou même ou vin connaît relation qui existait entre l'homme avec mon Dieu. L'homme est un esprit qui possède un corps. Est-ce que nous là? Et c'est ça que fait toute relation, pour vraie relation pour l'homme créé avec mon Dieu, c'est un esprit pour le créer. Parce que l'homme est un esprit. Est-ce que l'église a là, matin? Et bien, ça crée les dons des paroles de connaissance. Il me dit comme ça. Donc c'est don de parole de connaissance, pas don de connaissance. L'homme pas possédé don de connaissance. Nous gagnons don de parole de connaissance. C'est ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, il dit. Connaissance, don ça, pour qui ça? Puisque chaque don yo, yo gagne objectif yo, yo gagne but yo, yo gagne raison yo. Donc, mais don de connaissance, objectif qui fait bon Dieu, bah, don ça, et nous t'es capable énumérer dans 5 niveaux. Premièrement, bon Dieu bail don de paroles de connaissance pour capable révéler cause quelque dépression, quelque maladie en dans l'église là. Parce que gen maladie li pas de Dieu. Gen maladie même les moun marché kay docteur, li regarder, même les dépenser tout l'argent li pas guéri parce que maladie ça
en pile fois sont cause démoniaque. Donc c'est dans des paroles de connaissance qui vous détectez les maladies de Dieu avec l'aile de Dieu. Est-ce que l'église a là? Donc en fait dans des connaissances là, li baille tout pour révéler certains faits concernant d'autres personnes pour encourager mon nom, pour encourager chacun de nous. Donc dans connaissance là, il y a des faits la révéler sur la vie telle qui chita dans l'assemblée, même les moun pas connaissent, mais c'est dans des paroles de connaissance qui va révéler mais ça bon Dieu semé dans la ville. Est-ce que nous là? Et mais ça qui a traversé, c'est parole de connaissance qui fait ça. Et donc ça, l'île là tout, l'île là pour révéler racine problème dans situation mounie et qui conseille pour Bali. Est-ce que l'église a là? Ça veut dire si on ne pas gagne un don de parole de connaissance, il y a conseil ou pas à Bali. Il y a conseil ou pas à Bali. Parce que il n'y a pas pour sans raison, bon Dieu, Bali, don yo. Et il y a don ça encore, l'île révéler secret. Des secrets cachés donc qui dans l'homme donc pour moun capable alors pour moun capable repentir avait dit yon inconverti donc en un moment li qui doit paraître là c'est dans des paroles de connaissance qui a révéler des faits dans ville et puis qui pral ouais certainement bon Dieu qui vivant et qui pral pousser moun nan à convertir et donc parole de connaissance là li bayon aperçu tout sur la vie de l'église là en général sur la vie de chaque individu. Et lui aider tout le monde qui a servi mon Dieu, et lui aider aux non-difficultés. Avec des dons de paroles de connaissance, ça qui l'a pour ça. Mais, on y a, donc, là, trois éléments, nous allons parler de la vérité. Premièrement, nous allons dire, chrétien, lui doit étudier la vérité. Un chrétien, premier comportement ou de gagner, c'est étudier la vérité. Étudier la vérité. Dans 2 Timothée 2, verset 15, tendez ça à côté, Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. Ah, nous ne sommes pas là. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Un chrétien qui ne connaît pas la vérité, la difficile pour un chrétien authentique. La difficile pour pas un chrétien pour être encore. Et sous pas qu'on la vérité, la difficile même pour prier. Pourquoi l'église a la même? Et c'est ça que fait, la Bible est beaucoup plus loin pour dire, yon moun qui détourne les oreilles pour ne pas attendre la vérité, même prier, elles ont abomination. Cela veut dire, yon moun qui pas qu'on la vérité, la croix difficile pour faire une bonne prière. Parce que, la Bible parle de plusieurs types de prières. Il dit dans Acte 2, verset 42, il dit l'église a persévéré dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il ne dit pas dans la prière. Il dit dans les prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières. Ok? Plusieurs. Il dit fait toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. C'est la parole de Dieu qui vous dit, chrétien, qu'il ait une prière pour connaître son prière requête, qu'il ait son prière d'intercession. Qui est son prière de communion, qui est son prière déclarative. Ça veut dire, les différents types de prières, c'est la parole qui peut dire, mais qui prie, oui. Sinon, on va mélanger bagaille. Les prières, un chrétien doit faire. Des moments dans la vie où son prière déclarative qui est important. C'est une prière déclarative pour faire. Et depuis, bon Dieu, on va paraître devant, c'est prière d'intercession. C'est prière et requête, on va déposer. Donc, ou getan, ouais, tout le monde qui ne connaît la parole. Donc, attendez, mais sa Bible en dit, quand je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je ne pas en face un démon pour mal demander, bon Dieu, tant pis s'il vous plaît, font bagaille moins, pas une puissance pour me chasser des mois. Mon problème la parole, parce que prière pour me faire là, son prière déclarative, par l'autorité que le Seigneur Jésus va moi. Démon sorti. Et c'est ça le douillé. Des portes qui pour ouvrir. Bon Dieu, bon clair déjà. C'est déclaré pour déclarer. Il y a des filles qui devront chrétiens. Ou qu'à gêner des filles arrêtées là. Même bon Dieu a regardé au ciel là, il dit bon, date une balle clair déjà. Ou ça l'a demandé maintenant encore là. Oh, mais bon date m'bal bagay ça. C'est seulement pas une déclaration. Parce que tout, tendez bien,
La vie chrétienne n'a même li basée sur la foi. Et c'est la foi qui connecte avec l'invisible. Et c'est la foi, tout, c'est pas la foi, toute porte ouvrie. Avec des guinées prières, elle m'a campé devant, bon Dieu, pas tant d'intercession là-même. Yon leader, il y a des gens qui paraît devant vous. Et bien, imposer les mains, dit bon Dieu, t'as pris faire grâce, c'est un fond bagaille pour lui. Non, mon cher. Autorité a été en main ou déjà. Et c'est seulement déclarer. Et puis, bon Dieu, a confirmé parole, c'est vitel. Et ça, la Bible dit nous. Donc, il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. La fait nous pas qu'à prier bien. La fait nous pas qu'à prier bien. Donc, ça veut dire chrétien, leader connaît la vérité. Nous sommes capables de mieux utiliser la vérité. Ça veut dire, si vous ne connaissez la vérité, vous ne pouvez pas utiliser la vérité. Yon bagay ou utilise, faut qu'on el pour utiliser. Mais chrétien, pour le connaître, il doit étudier la vérité. Nous devons prendre temps nous, à donner nous, dans la lecture de la parole de Dieu. Et la Bible a un bel témoignage de l'église. C'est l'église de, c'est l'église Béret. La Bible dit, l'église Béré, yo te gon cœur qui plus noble que l'église Thessalonique. Yo consulte parole là chaque jour. Ouais, nous là. Yo consulte, attendez, yo attende rema chaque jour, mais yo consulte le gos là. Parole qui écrit pour yo, ouais, ça attende, est-ce qu'elle est l'exact? Yo chrétien qui pas étudié la vérité. Une fois que ou pas étudier la vérité, ou pas comprendre tout sa vérité. Bon, dis nous bagay. Parce que nous clair. Nous avons l'église là. Ça fait me dire nous prêter attention. Comment pour un monde qu'on ait un leader qui est en bonne voie avec un leader qui n'est pas en bonne voie, alors pas qu'on vérité. Yon monde évangélique qui zombifié. Yon monde évangélique sans connaissance de bon Dieu. Yon pas apprendre yon la vérité. Comment on pral faire connaître yon monde qui n'en vérité à yon monde qui pas dans la vérité? Comment on pral faire identifier ça? Sou pas étudier la vérité. Sou pas étudier la vérité. Ou pas connaître vérité ya. Comment on pral faire connaître yon leader qui c'est un leader authentique avec un leader qui sont leader tête en bas, un leader séculier, un leader de position. Ou un monde évangélique qui a fini parce que le peuple n'a pas connu la vérité. Il n'a pas connu la parole de Dieu. Le peuple a péri faute de connaissance. Là où pas connu la vérité, hein? Là où présente mensonge avec la vérité devant ou pas qu'à distinguer ou pas qu'à distinguer parce qu'on connaît ou pas connaît ou pas qu'à distinguer. Moi me dis nous bien. Non, attendez bien. Mais ça la vérité dit. La vérité dit. Apôtre Gama qui a fait erreur. C'est pas erreur Apôtre Gama fait pour le faire me connaît pas de Dieu ou de Dieu. Non, et balance ça m'a identifié. Au contraire, il y a des niveaux bon Dieu pour ta monde. Il y a des dimensions de grâce qui vivent dans la ville. Parfois même ça compte dans le plan de Dieu. Pour le fond et pour le connaître ce monde. Écoutez bien, et m'a remis l'église là. Comprendre ça. Parce que parfois nous connaissons sous cela. Et puis nous quittons sous cela. Nous quittons bon sous cela. Nous allons puiser nos cités crevassées. Si vous avez une capacité pour connaître la vérité, ou pas connaître la vérité, comme vous avez identifié les choses faux et les vrais.
mon Dieu montrer. Pierre c'est un disciple Jésus et qui était pire mais Jésus. Mais ça pas empêcher, ils font erreur, ils font hypocrisie. Et finalement Paul corrige. Ou quoi l'église a là? Et qu'il y a une dimension. Paul arrive dans une dimension de grâce. Là-bas, il quitte une perfection expérimentale, puis elle, dans une perfection finale. Et pourtant, il faut le rester sous la terre. Pour le rester sous la terre, Dieu obligé de quitter. Il y a un ballon soufflette. Et puis pendant des mois en bas de soufflette là, il met un malin sous col. Et puis malin ça fait le connaître ces mouns. C'est arrivé dans un moment, mais mon choix l'a guéri malade, mais l'ombrage l'a guéri malade, n'est-ce que ça presque pas moun encore. Et finalement, des mois en bas de soufflette, il met ton malin sous lui. Et chaque lèvre il prie pour malin. Non. Bon Dieu dit, Paul, grâce me suffit vous. Grâce me suffit pour vous. Et c'est ça que fait Salmis nous dit. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Et chaque lèvre, il y a des dimensions de grâce. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a monté. Bon Dieu, qui t'offre un erreur. Il offre à chaque lèvre de vous dire, à part ce monde, nous dépendons de Dieu. Yes. Et lui arrive dans un moment, sanctification et lui fait la terre presque indigne pour le recevoir. Niveau de sanctification fait la terre presque on souille pour lui. Et finalement, il y a un homme qui campait devant 450 prophètes Baal. Et le bâille un défi. Et le levé, bon Dieu. Et puis une grande femme campée, il dit demain si Dieu veut si m'pa force so faire pour faire Baal yo, yo pas relé Jézabel, il prend couille. Faiblesse. Et m'a faut comprendre mais ça la vérité dit. La vérité montre la Bible écrit comme ça. Regardez. Est-ce que l'église a lavé menu? Le haut et le bas. Et souvent li souligner prend fort dans la vie homme de Dieu. Parfois, elle souligne plus faible là. Pour qui ça, la Bible souligne, bon, toi, David te font erreur. Le haut et le bas. Même David, ça, bon Dieu, dit, me joindre dans l'homme, selon le cœur. Là, nous ne prenons pas la vérité. Nous prenons position contre bon Dieu. Pendant ce temps, nous pensons pour bon Dieu. Un chrétien qui connaît la vérité, qui ça la Bible dit? Les m'a parlé dans le dossier. Apôtre Jacques dit, ouais, c'est une langue ça. Et la vérité dit ça. Ouais, son petit membre lié. Mais elle a traîné tout ou même dans la GN. Et ça la vérité dit. Ça veut dire la vérité dit, si pour me servir, bon Dieu, bien faut me brider la langue. Un chrétien qui connaît la vérité, pas courir à le prononcer jugement. Et texte a dit Jésus-Christ, ils sont témoins fidèles, ils sont juges fidèles parce qu'elle pas jugé sur yo dit. Il pas jugé sur sa moun dit. Tout nèg paraît, yo dit Jésus, on est gen moun qui dit qu'on ça c'est un prophète yo clevé. Gen moun qui dit qu'on est Jérémie, gen moun qui dit c'est Élie. Et puis tout nèg a parlé. Mais Jésus-Christ dit bon, pendant tout temps ça m'a enseigné nous messieurs. Ay, gen presque 3 ans m'a enseigné nous la vérité. Mais puisque nous était connait la vérité ya, mais et nous-mêmes, qui ça nous dit mieux? C'est pas ça, mon nom, la rue a dit. Mais avec vérité, entendez? Et nous, qui ça nous dit mieux? Soit ouais, soit entendez. Et selon soit ouais, soit entendez, qui soit nous dit mieux? Parce que mon qui a parlé. Et m'a dit un bagage. Dans tout temps, dans toute période, la vie homme de Dieu, il était toujours marqué comme ça. La vie monde bon Dieu sur la terre était toujours marqué comme ça.
Et chrétien yo pas jamais tenu compte dans qui là yo là. Nous pas ouais sinon leur nos phases côté que on persécution qui a pas avancé sur l'église. Et m'a dit bien, ou pas ka neutre non? Soit négatif ou positif. Jésus dit sous pas pour moi ou contre moi. Sous pas de me ramasser ou de me gagner. Pas gain neutre, la neutralité n'existe pas dans la réalité. Sous pas pour moi ou contre moi. Bon me dit non bagaille. Bon luck pour arriver là. La paix prouver tout vrai chrétien avec tout faux chrétien. Tout le monde qui sous bluff, nous pas besoin de lunettes qui vous dit nous mais yo. Il y a pas état clair. Parce que oui, moment pour aller examiner monde qui dans la vérité. Il va le montrer ça. Écoutez, moi fais une erreur. Mais erreur non, ça pas veut dire. Moi pas de Dieu. Et Dieu montrer Jésus seul. Et Jésus seul. Et qui pas qu'à faire, et qui pas jamais faire. Lui même seul. Apôtre Amel qu'à faire. Puis c'est moun. Yes. Mais qui t'aime dit ou bien? Mais sa Bible, la vérité dit pour m'identifier. On reconnaît l'arbre. On reconnaît l'arbre. Tandis, il n'est pas possible ou pas qu'à kei yon mango son pied zabouka. Ou pas qu'à kei yon zabouka son chadouin. Il n'est pas possible. Ou ap reconnaître la blanc, à blanc pas, à fuine. Jésus-Christ dit qu'on s'agade, messieurs, vous connaissez, il a parlé nous mal. Il a dit toutes sortes de vieilles paroles sur nous. Mais il dit, pendant qu'il a parlé comme ça, c'est pour yon ouais bonnes œuvres nous. C'est pour yon ouais bonnes œuvres nous. Besoin comprendre ça. Tu l'avais dit, chrétien doit connaître vérité à pour qu'a défendre. Et deuxième bagaille, chrétien, lui doit vivre la vérité. Vérité, lui fin connaît. Après, qui ça le fait? Il doit vivre vérité. Regardez bien. Dans Psaume 25, verset 2, on aime verset ça. Psalmiste dit, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Donc, verset ça li mette li gen deux faits importants nous souligner dans verset la. Bible montre clairement premier bagaille pour vivre selon la vérité vous devez connaître la vérité. Pour vivre pour vérité ya ou de connaître vérité ya. Ça est premier bagaille. Et deuxièmement donc pour connaître vérité ya ou doit d'abord apprendre qu'on est vérité. Faut qu'on attitude pour bon Dieu ouais nan ou décider qu'on est vérité. Il y a des monde qui dit li vle qu'on est vérité mais attitude li pas dit ça. Yo monde qui connaît vérité a li garder humilité pour l'apprendre. Tendez bien. Yo monde qui connaît le connaît toute bagaille li se yon endormi li. Yon moun ki konnen, li konn tout bagay, li se yon endormi. Et moun sa bezwen rive. Depi moun nan konnen, li konn tout bagay. Et sa fè, yon vrai chrétien, li chita pou la pran la vérité nan tout humilité. Avec yon cœur sain, sincère. Parce que faut prendre temps pour apprendre la vérité. Et pour défendre la vérité. Pourquoi l'église là? Ça veut dire, attitude nous, l'enfin qu'on vérité. Mais ça texte a dit, il dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira.
C'est pour fin qu'on vérité, la vérité, deuxièmement, ça le fait. Libre, liberté. Donc, pour nous, les chrétiens fin qu'on vérité, il faut quitter la vérité à la liberté. Liberté dans la vie et mentalité, ça nous apprend dans maman, dans papa. Liberté dans ça nous apprend dans le quartier, la caillou. Liberté dans ce que nous apprend même l'école, mais qui contraire avec bon Dieu. Pourquoi l'église a la même? Liberté dans la vie et mentalité nous qui nous gêne nous. Liberté ça, la vérité baille. Il faut venir sage. La vérité travaille la vie ou, il faut venir sage. On moun nous est toujours à Ogan dans l'église, son moun la vérité pour qu'on travaille. On moun nous est qui pas à Ogan dans l'église, c'est la vérité pour qu'on travaille. Mais la vérité travaille ou il rend nous sage, il rend nous humble. Il rend nous humble. Parce que qu'on est vérité. Gardez pour vous. N'a pas un exemple de Saul. Saul, monsieur, dans la génération, la Bible dit quoi? Tout le monde qui était dans même la Javel, il était plus avancé dans le judaïsme. Il était plus avancé dans la loi. Et le plus souvent, jeune petit monde, il est évalué sous 12 ans. Dans le peuple d'Israël, il est plus avancé dans la loi. Et si moun sa yo kon fè grandi pour venir au docteur la loi. Ou quoi nous là? Ça veut dire et seul li appelé pour venir au docteur la loi. Ça veut dire un moun ki kon la vérité en pile qui prétend connait la vérité. Et finalement, les yeux Paul pral ouvri. Sur route Damas, l'esprit de Dieu fin frapper, li retire yon écaille dans yeux. Ça veut dire ça Paul t'a pour son vieux loup diabolique. Ça ou est dans yeux qui fait le moun mal là. Si tu fais le moun pas bon Dieu, c'est moun Satan. Moun Satan, c'est moun pas bon Dieu. Son écaille. Et dans l'écaille, là, il y a un loup satanique qui l'a donné. Il n'y a pas bien. Et l'écaille, ça a sorti. Et laisse à Paul. Il vient comprendre la vérité à clair. Et laisse ça. Et l'histoire même dit Paul passait 3 ans en Arabie. Et 3 ans là, et t'as coup 3 ans la vie cachée, Paul. Il y a un pile commentaire qui dit. Paul t'est passé 3 ans ça pour t'aller repenser la loi. Un monde qui t'est pensé le con la loi et finalement il vient garder le pas qu'on a du tout. Ou quoi nous là? Ça veut dire donc en fait, ça veut dire bon comportement ou de adopter face à la vérité, face à la vérité. Et troisième bagaille là, un chrétien doit défendre la vérité. Et c'est là en toutes circonstances et c'est là nous pral chita avec vous, bien-aimés, yon chrétien doit défendre la vérité. Bien, la Bible, li fait, attendez bien, li ban nous bien, li dit nous bien, li explique nous bien. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, Paul aimé sa Pierre dit, li ba yon recommandation à l'église. Li dit nous doit toujours prêt pour nous défendre la vérité devant quel que soit monde qui t'a dit nous, pour qui ça nous ait la foi en Jésus-Christ. Pourquoi l'église a la même? Pour qu'ils soient la foi en Jésus-Christ, Paul dit, alors Pierre dit, ou doit toujours prêt pour défendre ça. Ça veut dire, non, ça, quoi, ou doit défendre. S'il est possible, de pour finir le combat, il va la convaincre, mais mourir ou qu'à mourir pour lui. Et là, nous parlons de chita avec eux. Bon, dis nous, bagaille. Premier bagaille, m'a dit chrétien, ou sous ça. Léon chrétien, ou défendre la vérité? Ou défendre la vérité face à qui? Ou défendre à la vérité face à l'homme sur la terre et face à démon tout ou la même face avec tout ça qui au considérer comme adversaire ou défendre vérité ya, et pour convaincre moun sa yo sacté dans l'erreur pour venir dans la lumière. Donc mais qu'on y a faut connaître la vérité ya, et faut qu'a défendre ni dans bon sens là. C'est ça qui est important. Donc en fait, nous jouons dans le premier siècle, tu as gagné des hommes de Dieu qui te qu'on a défendu la vérité et ont d'accord mourir pour lui. Deuxième siècle, même gens, gagné les pères de l'église, ils étaient d'accord pour mourir pour lui. Donc, pas de gagné qui était exempt. Jésus-Christ qui était 12 disciples, pas de gagné, excepté Jean, il dit qu'il mourit sous Kabana Kaili, mais avant de mourir, oui, bon Dieu qui était le vivant, vous avez dit, yo mettons chaud, attendez bien. Mettons chaud, il y a l'huile chaud,
bouilli et puis yo mette derrière le boucané la chaudière l'huile là. Yo frit derrière la chaudière l'huile là. Elle dit nous comprenons et l'air André pour arriver en Éthiopie, yo font quoi en Nix. Et puis l'air André ouais quoi il salit quoi. Il dit mais si Seigneur m'est arrivé un jour comme ça. Pour la mourir sous quoi pour en vérité. Elle dit comprendre bien oui, yo prend André, yo mettel sous quoi. C'est dans quel yo cloué cloua pour les autres dans bois. Tout vivant. Pour vérité le quoi dans l'ia. Mouto comportement des hommes de Dieu dans le premier siècle. Et puis qu'on y a mal comprendre que ou même moi m'avoir qui comportement de gain dans temps. Et c'est ça. Et finalement moi même moi fini pour me dire l'église porte étroite. Bon moi je ne suis pas venu pour prier pour l'église porte étroite. Pour l'église porte étroite, lever camper. L'église porte étroite tendait déjà. Elle tendait déjà, la prendre déjà. Il y a des choses qui s'aiment dans lui déjà. Et qu'on y a, dans ce qui s'aiment dans lui, je vais tout réveiller. Il y a des choses qui s'aiment dans lui déjà pour être triste. Qui bagay ki semen nan ou déjà pour pas marcher tête à tête. Qui bagay ki semen nan ou déjà pour pas marcher tête en bas. Qui bagay ki semen nan ou déjà pour pas peur. Aucune tentation ne vous est venue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais on comprend ça. Je ne suis pas venu pour me faire prier pour vous. Pour nous consoler. Pourquoi là? Non. Il y a un proverbe français qui dit, c'est lorsque la marée est basse, on voit ceux qui n'avaient pas de caleçon. C'est lorsque la marée est basse, on voit ceux qui n'avaient pas de caleçon. Il a sorti de là pour éprouver un vrai chrétien et dans un moment de difficulté. Et bon Dieu, tu as planifié. Bon Dieu, pas planifié pour mal personne. Il y a un bagage même. Bon Dieu, qu'on fait, c'est pour qu'on prenne maturité. C'est pour qu'on prenne maturité. Regardez bien. Vous voulez abandonner? Bon Dieu a toujours été bon Dieu. Mais tant à prouver. Si on lit de prendre des années à s'aimer dans le temps du peuple, il prend des années à préparer un peuple. Et il faut bon nier qu'on bagaille qui passe pour voir qui est-ce qui prêt pour le faire camper. Qui est-ce qui prêt pour le faire camper pour le défendre la vérité? Tenez bien, tout vrai leader, même leader qui parle leader spirituel, tenez bien, l'aké, il a campé pour défendre nos vérités, il y a quoi là-dedans? Il a toujours préparé pépinière. Si même on toussait, l'aile bralé, il dit si nous coupons, c'est pied bois, mais regardez, racine pied bois, yo! Cela veut dire si pas que tige qui poussait, c'est que travail a été en vain. Alléluia. Faut nous prêter pour nous défendre nos vérités pour nous mourir pour lui. Parfois nous baillons tête nous trop valeur et valeur parfois nous baillons tête nous baillons mon Dieu. Tenez bien, m'a dit nos bagailles. L'histoire expliquait qu'il y a un citoyen qui était fanatique d'Ivalier. Pendant le bon la caille, il était un groupe de monde qui ne voulait pas d'Ivalier. Les gens viennent comme monsieur d'Ivalier, ils fouillent un goutte. Ils disent, monsieur, ouais, si vous ne pas dénoncer les choses d'Ivalier, n'a pas tout dans tout ça. N'a pas tout dans tout. N'a pas tout dans tout. Il dit, monsieur, on me dit nous bien.
jusqu'au péril de ma vie, je suis prêt pour mourir pour Divalier. Pied Divalier. Vous connaissez l'enjouet, vous fouillez tout. Là, vous fouillez tout. Vous mettez monsieur campé là dans le lieu, vous mettez terre, vous mettez terre. Monsieur dit, monsieur, bon, me dis nous bien. Ce n'est pas enterré seulement, nous me dis nous prêts pour mourir. Et je vous l'irrite dans toi, vous tuez dans toi. Pour un divalier. Ils ont vieux divalier. Mais je ne comprends ça. Bon, me dis nous bagaille. Dans tout temps, l'évangile était toujours en combat. Mettre l'évangile là, lycée modèle là. Je vais dire une stratégie le monde utilise. Le monde besoin de faire une bouche des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, une stratégie. Premier attaque qu'ils ont fait, son attaque psychologique. Attaque psychologique là, les plus fort qu'ils ont attaque physique. Et tout dans les tout vrai, dans les tout vrai guerrier, tout gros guerrier dans le monde, m'a dit vrai, nous tout gros guerrier dans le monde, les yo pral combattre un adversaire, premier ça yo cherche faire c'est 20 adversaires dans l'esprit. Depuis yo 20 adversaires dans l'esprit, depuis yo fini avec dans l'esprit, yo fini avec. Depuis yo craser moralement, yo fini avec. Et bien finalement nous te wè stratégie Goliath. Premier ça le fait, l'el wè David campé devant, li font attaque psychologique. Li dit oh ou même yo voye vin campé devant là. Li dit bon ouais jodi a là les oiseaux pral manger chèw. Parce que li dit un seul coup m'a tout fin avo et m'pral fè oiseaux manger. Li dit oh bel visage tan kou ou vin mouri devant là, ouais là. Et puis mes réponses là. C'est vrai ou a marché sous moi. Avec gros âmes, avec gros banzao, m'a marché sous avec l'Éternel. Ça veut dire combat, là où est une attaque qui fait au niveau de l'esprit pour résister, c'est la foi. C'est avec la foi pour faire appel à la vérité. C'est la foi dans la vérité pour de faire appel pour résister. Et attaque là, bon, m'a prendre un bagage à l'église. Satan pas jamais changé âmes. Même âmes. Où elle te fait pour te finir avec l'humanité, pour mettre l'humanité dans sa lia là, et l'île toujours utilisée. Ou besoin qu'on ait un wapgou, mais avec un ennemi, pas jamais changer zam. Parfois, Satan change stratégie, mais il pas jamais changer zam. Besoin l'église à prendre ça, connaît ça, dans sa crée les combats. Mais ça le fait. Les poules finir avec le monde, ils viennent avec dialogue et manger. Ils paraît devant Eve, ils disent, mais on fruit. Sous manger, well, à manger. Et puis il commence son dialogue. On attaque d'esprit. Est-ce que vous sûr? Bon Dieu te dit ou pas manger, frère? Ou sûr? Si c'était sacré de doute, well, on attaque d'esprit. Ou sûr celle de doute? Et puis, un seul rayon, Satan by Eve, et puis il est traversé lui. Li ajoute yon bagay. De pou tombe, tande. De pou ap defon la vérité pa mè lak mensonge. De pou ajoute mensonge ou getan tombe. Tande sa el repon. Li di kon sa ou, oui, bon Dieu dim kon sa. Pa manje, li di m pa manje pa touche. Bon Dieu pa jam di el va touche. Li di l pa manje. Satan ouè sa. El kon bon Dieu te di l pa touche. Li kon bon Dieu pa di l pa touche. Li di touche l pou wè. Il ne doit pas mourir. Et puis, deuxièmement, et puis il commençait si c'était sacré, il y a une méfiance dans que Eve face à Dieu. Il dit, bon Dieu connaît, sous mon réel. Je vois pour vous, même j'avais. Eve, il ne voulait même j'avais lui. On m'a dit, oui, monsieur. On a qui va vouloir évoluer, oui. Ou est-ce que tu as dans le ministère? Pas vraiment, hein? Qu'on s'allie, oui. Où est-ce qu'on t'aille toujours? Où est-ce là dans le ministère, ça toujours? Où est-ce humiliation mon yon baou? Où est-ce j'en a pas la voix? Mais ça, il m'y a fait. Ou d'accord, mon yon bon sanction. Où est-ce sanction? Où est-ce l'injuste? Mais ça le fait.
Ou d'accord pour moun avini million comme ça? Et pas moun ouye tout? Meni. Ou quoi là? Et puis, ou alors Eve, laisse Satan venir faire ça? Et puis, qui ça le fait? Il dit manger pour eux. On y a Eve tombé manger. Meni. Allez. Et après, Satan utilise même Zamnal vini sous Jésus après baptême. Manger, dialogue. Mais pain, hein? Mais roche la fait le tourner pain. Manger. Dialogue la commencé. Oh, ou grand goût. Tout grand goût. Baye roche yo. L'autre pour tourner pain. Mais zam pour repousser avec la vérité ou repousser ça. La vérité tantôt. Tendez oui, li son zam défensive. La vérité son zam offensive. Il dit même ça qui est écrit dans Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De pour pas qu'on a vérité ou pas qu'on a vérité ou pas qu'on résiste devant attaque ennemi. Jésus, qu'on a vérité, il frappe Satan. Et puis il continue, il dit, oh, le fait que l'on Jésus pour un verset biblique, il même pour un verset biblique tout. Et puis il monte sur le temple. Il dit, bon, vous voyez quoi en bas, non? Parce que c'est ça qui est écrit, Somme 91. Bon Dieu a passé les anges, l'autre pour Vézou. Voilà. Jésus dit, mais ça qui est écrit aussi. Ou pas de tenter, Seigneur, bon Dieu. La parole. La vérité. Avec dit, si vous ne connaissez pas la vérité, comment on peut le faire défendre la vérité? Si vous ne connaissez pas. Pour défendre la vérité, il y a un chrétien comportement pour défendre la vérité. Défendre la vérité, spirituellement, défendre la vérité, intellectuellement, ou quoi là? Défendre la vérité, non? Dans le comportement, dans l'œuvre, défendre la vérité. Et c'est ça le chrétien. Finalement, qui t'aime dire bien? Depuis le premier siècle, c'est comme ça, avait dit, il y a un Jean pour y avoir si vous êtes capable. Ferme bouche chrétien yo sous question vérité. Attaque la fête comme ça. Les attaques la fête, et m'gal kop, m'm pour un exemple dans l'Ancien Testament, et puis pour nous, ça a fait jodi ya. Toute attaque dans l'Ancien Testament, mais comment mouvement fait? Satan te commence, et bien il vient éjecter dans l'homme. Tout qu'on y a grand politicien dans le monde, tout grand leader dans le monde, stratégie yo, et même grand homme religieux dans le monde, stratégie yo, c'est attaquer un peuple, faire peuple là sur le plan psychologique. Quand y a mes premiers ça y fait, les y ont façon y ont pris un monde, t'as servi bon Dieu et puis y ont présenté une image monde devant population. Et puis bon gens y ont présenté. Et puis pour tout le monde ouais monde ça négatif, ça veut dire son campagne y fait. Et li pas de jambes changer. Maman apprend nous bagay. Et li tandis oui, Eli le prophète de Dieu. Il vient arriver dans un moment. Nèg qui négatif yo. Nèg religieux même en Israël yo. Nèg mystique qui a servi Baal yo. Yo gon gens yo présenté Eli. Ah, nous gèlè pas là peuple là. Yo gon gens yo présenté Eli. Et là yo présenté Eli, yo fait Eli connaît, ils sont frottés de tout. Avait dit Eli, c'est troubler la trouble population. Et puis, il dit, Elisa, ils sont Eli qui négatif, parce que toute parole est contraire à la vérité. Pourquoi nous là? Jusqu'à ce que, yo suscite une haine dans que peuple a contre Eli. Et m'da remé, peuple bon Dieu attendait ça. Parce que faut nous étudier, garder à travers la Bible. Et puis, nous comprendre ce qu'a fait Jodia. Et finalement, peuple là, vient arriver au moment. Tout le peuple a net viré de Eli. Et Eli pas bénéficié en rien dans le temps. Même dans le moment de sécheresse, serviteur de Dieu dans une situation difficile. Bon Dieu voyait dans le pays étranger pour verra le prendre soin. Parce qu'elle dit vers Israël, pas le valeur. Yo pas qu'on importance li. Pourtant, pendant yo pas qu'on importance li, Eli était le père spirituel d'Israël.
Yes. Et finalement, yo fait même campagne là contre Élisée. Yo fait même campagne là contre Michel. Rive nous au moment yo isolé Richer et Michel. Et c'est ça l'objectif le monde face avec moun bon Dieu. C'est ça le toujours. C'est même stratégie. Yo isolé ou et puis yo monté peuple contre tout. Et souvent, yo commencé si c'est un homme spirituel, yo commencé même dans peuple li pour faire peuple là pour position contre lui. Pour commencer faire yo el mal. Et puis tout bagaille, yo prend bagaille qui fait dans bon sens yo, yo tordel dans l'autre sens. Il m'a remé ouvrir intelligence pour comprendre ça. Finalement, Michel vient arriver dans un moment tellement politique nèg religieux qui infecté yo. Yo tellement dominé peuple là, si toi avec un Cédécias qui nomme tête li comme premier prophète dans le peuple là et finalement le trouble le peuple là. Li même qui nomme tête li jusqu'à ce que tout homme religieux yo yo ouais Michel négatif. Et non seulement même moun qui t'a prétend qu'a servi bon Dieu, yo ouais Michel son bête nou allié et Michel mérite mourir. Michel seul en Israël. Michel seul et pendant le seul, ou konn sa qui est ça celle-là, moun qui auteur trouble là si moun nan livrel konnen. Li connaît, connaît ça. Wa! Tenez bien oui. Akab connaît Michel de Dieu. Et là Josaphat vient joindre ni, il dit mon cher. Connaît Josaphat, il mien bon Dieu quand dans là, l'elle ouais c'est des sias, n'a pas prophétisé, il va gagner guerre. Il dit bon, pas l'autre prophète encore. Il s'est allé trop rapide. Finalement Michel dit mon cher, bon nom relé Michel. Mais n'est ça pas jamais dit rien qui bon pour moi. Et les gars sont, attendez, sont fauteurs de troubles. Et depuis que je suis venu, il a troublé le monde. Ouais, tout prophète, ouais, il dit que je suis venu, depuis que je suis venu, il a dit le contraire. C'est différent. Il est arrivé, Michel paraît. Michel dit, ben, on va aller en guerre parce que c'est ce qu'on a besoin, pas ce qu'on a besoin. Il dit, pourquoi ça va parler avec moi? Il dit, mon cher, regardez-moi Israël qui a couru sans berger. Il dit, vous ne pouvez pas dire, il dit, rien de sérieux. Ça qui est important, ce n'est pas parce que une grande foule dit oui, c'est oui vrai. La voix du peuple, pas de jambe la voix de Dieu. Vous croyez nous là? Même bagaille là, l'église tendait ça. Même bagaille là, fait contre Jésus. Bon, Jésus, oui, m'dou. Yo isolé Jésus. Nèg religieux, yo. Même dit, ou a pigou miraille qui campe contre le monde évangélique là, c'est des hommes religieux qui pas convertis. Tendez, non, mais c'est ça, ou m'dou, m'bre mou pour lui. Pi gros miraille qui campait contre chrétien yo. Pour ta gon vrai réveil qui éclate dans le monde évangélique là. C'est des hommes religieux. Yo placé haut mais yo pas converti. Et yo nèg sa yo érigé comme muraille contre l'église. Et regardez, yo contre avec toute vérité. Yo contre avec tout ça bon Dieu voulait faire. Yo prêt pour écraser tout bagaille bon Dieu. Et c'est ça nous deux que nous comprenons. Les religieux en Israël, yo, les pharisiens, ils ont nommé tête, ils ont érigé tête en bloc. Et finalement, ils ont commencé à faire bagaille dans la foule. Tout ça, Jésus dit, ils ont changé de sens. Jésus dit comme ça, il utilise avec Jésus-Christ dans la spiritualité, ils ont même dans la chair. Jésus-Christ dit, bon, monsieur, vous avez rasé ton plan pour me réconcilier dans trois ans. Vous connaissez ça, vous faites, puisque vous connaissez Israël, vous remettez un plan en pile. Israël tellement bâti sa valeur. Qu'on y a là, et comme si, vous prenez parole ça,
pour montrer Jésus à attaquer que peuple là. Mais qu'on y a mais Jésus ouais mais c'est d'amour qu'on est temps nous remet en pile là autant de petits imposteurs ça a dit le bras crasé et puis mon commencé à vous connaître un paquet de protestants et comme ça ouais sans examination et puis regardez qu'elle commence à monter et puis il a pris position contre bon Dieu sans battre ni compte hein monsieur dit le bras crasé temps là qu'on y a c'est ça qui cible là et puis il a commencé à dire monsieur ouais, vous savez, là, ouais, je ne remets ça. Et pas bon Dieu qui va nous sabat. Mais c'est venu violer ça. Et deuxièmement, non seulement il s'est violé ça, mais si il vient passer tête, il dit c'est bon Dieu, même lié. Et n'est-ce pas ça, il dit oui, dans Jean chapitre 5. Il dit que ça nous pas tout. Jésus qui dit bon, nous faisons un pile bon bagaille dans le temps. Pourquoi ça nous aille? Il dit nous bagaille ou l'autre bagaille, non? Parce que vous même vous violez ça. Il avait dit, vous comprenez? Et même sentiment n'est qu'adventitio. Par contre, si vous comprenez, non? Il dit, nous violons le sabbat, les finis, les attaquer les témoins de Jéhovah. Même les robots qui existaient, mais tant dans santé là. Et puis, il dit comme ça, et parce que c'est mon ou c'est bon Dieu. Et pour ça, n'a tout oui. Et finalement, monsieur, les religieux tellement travaillent la population. Ils tellement travaillent, mais mon qui cherche bon Dieu, tout bon vrai. Ils tellement travaillent contre Jésus. Là au condamné Jésus. Pilate paraît devant pour le citer un petit groupe monde avec Jésus. Li mandé mais Jésus paraît là même malfaiteur apparaît qui laisse nous vler. Tout peuple a dit ben nous malfaiteur a cloué Jésus. Oh. Ça le fait clouel, ça le fait clouel. Clouel, c'est moi. Et finalement, les relais, ah c'est fou là qui a parlé, les relais hommes religieux, ça veut dire, si je dis, on a dit, à évêque, archevêque, yo. Les relais, et puis, ou à relais, on lui dit, monsieur, pour qui ça? Bon, nous disons tout même pas où elle est trop pour nous tout là. M'a où ça le fait pour nous tout mais pour qui ça nous tout là? Yo dit, monsieur dit, li ka krasé, templant. Et puis, deuxièmement, monsieur apparaît pour le dire, c'est bon Dieu. Et lui présente comme le fils de Dieu. Bon, bagaille a fait wap en temps, oui. Ouais, bagaille homme religieux, pas peur, même pas un appel. Oh! Il dit, ah bah, nous dit, petit bon Dieu, parce que le coup de sa bon Dieu a baisé. Mais homme religieux, yo, monsieur, yo pas convaincu facile, parce que aucun Bible en main, yo. Yo prête à connaître aucune vérité, ya. Et toute vérité, toute vérité, bon Dieu, vous voulez faire passer pour mensonge. Et puis, sous une base, c'est eux-mêmes qui font doctorat, c'est eux-mêmes qui font maîtrise théologique. Même base là. Et puis, vous chavirez l'esprit peuple là. Et c'est docteur nous y est, nous connaissons bien, nous sommes professeurs en théologie. Oh oui, ça nous dit, c'est ça. Et pourtant, des hommes qui parlent même contre bon Dieu, des étrangers dans la maison de Dieu. Et puis finalement, yo monté tête peuple là contre Jésus. Et finalement, les Pilate gardé, li voyait Jésus dans foule là, li tendait tout pour n'a clouel. Qui est-ce qui a cloué a? Sauveur oui. Bon, Pilate dit monsieur, m'm dit non bagaille. Jean nous dit là monsieur, son innocent n'a fait m'touyer oui. Tendez ça dit, qu'est-ce sang tomber sur nous et sur nos enfants? Sou pa vle touyel. Et mes gars, donc on s'accuse que lui-même ou touyer. Quelle responsabilité a tombé sous donne à ce petit nom? Oh! Oh! Qu'est-ce sang tombé sous nous et sous nos enfants? Et finalement, même mouvement, vous comprendre ça et ouvrir yeux ou même l'église. Et c'est même bagaille là qui fait contre apôtre Paul. Et là, il prend Paul. Il fonge, même les religieux. Il monte tête peuple là contre Paul. Il dit, Paul vient avec une autre religion pour venir craser le judaïsme. Et Paul condamne nous tous, il dit, nous, nous ne pas dans sa vie, mon Dieu. Qu'on y a finalement mis ce contraire avec nous. Il monte tête. Là, il prend Paul.
yo arrêté le pour yo tuer. Monsieur finalement Paul garder devant lui pas un grand monde gavel. Et là yo vini yo dit li tan no foule la dit tuer. Et puis foule la pas seulement dit tuer, yo prêt pour tuer le doué. Gon côté gon premier côté nous songe premier là yo prend Paul. C'est nous pas nier yo prend yo met tel. Pour yo sauver avec parce que peuple là prêt pour tuer. Mais ça le fait pour vérité ya. Et finalement, là où vini, monsieur Kade, gon Jérôlier, gon chef romain, là il tendait comment moun yo vle touye Paul et puis complot a fait pour touye. Et puis gon complot qui fait, tu dis comme ça, on est arrivé. Parce que moi t'assemblé moi Jérôlier à la séyon. Jean l'a fait bagala là et moi mi ségelé son li vle libérer Paul. Parce que nous vle touye l, mais qu'on a t'assemblé ou pas vle juger pour condamner. Nous allons faire un bagage pour lui. Vous comprenez ce que nous allons faire? Nous allons prendre un coup, nous allons prendre un conduit pour nous mener devant la prière. Nous allons tout trouver en route. Il dit, nous allons finir avec monsieur. Est-ce que nous là? Nous faisons un complot. Ou pendant nous prenons le tribunal la veille, nous allons cacher un côté. Et tout autre, regardez, tout autre. Nous ne pouvons pas mettre rien dans la bouche. Nous. Tout autant sans misé va couler. Et finalement, bon Dieu quitte un petit garçon, un petit monde dans des complots. Et il a allé l'obliger ailleurs. Et puis le petit monde allé côté Paul. Il a mené le Paul. Paul dit, eh bien, elle dit chef là ça. Et finalement, il a nuit qui a sauvé avec Paul. Pour qui ça? Son mal était fait. Vous connaissez ça qui est drôle là? Mais ça qui est drôle dans la servi bon Dieu nous, c'est là qu'on prend position pour le diable et puis nous passer pour bon Dieu la prendre. C'est le plus gros danger. On monde qui a tombé là-dedans. Ou dans le royaume du diable. Ou est Paul, dans un premier temps, elle était seule, toute zèle où elle est. Et pour bon Dieu, elle est. Et tandis ça, Jésus-Christ dit, monsieur les disciples, vous ne pas troubler. Il dit qu'on l'a privé, même le monde. A tout yé nous yo, a maintenant que tu son service et a prendre bon Dieu. Et débarrasser, n'a pas débarrasser bon Dieu. Des ordi ça. Et pourtant, Jésus-Christ dit Paul, c'est pied ou t'as voué by piquet. Bon, dis nous bagay. La vérité, la vie chrétienne même. Moi pas fait un suicide intellectuel parce que j'ai confiance dans Jésus. Parce que la Bible enseigne la vérité pour me croire dans Jésus à 100%. À 100%. Bon me dit nous bagaille. On va parler de sacré le protestantisme. On va besoin parler de réforme parce que réforme là matin l'été c'est battre ta batte pour l'al. Chercher restaurer une vérité que tu as perdue. Mais si nous apprenons de façon pratique, théologie qui existe, je dis là, ce n'est pas vrai sens théologie. Là. Mais théologie en soi, l'hypothèse, positive. Parce que, puisque le christianisme, c'est la foi qui réfléchit. Pourquoi nous là? C'est la foi qui reflète, qui réfléchit. C'est une d'après une définition pratique. Cela veut dire, avant, moi j'ai la foi dans Jésus, me poser question avant. Et c'est à partir des réponses que fait ma foi fragile. Est-ce que l'Église a là avec moi? Prends les soins pourtant de ça. Et parce que me poser question qui fait ma foi fragile. Parce que tout ça au coin dans lui, sans raison pas convaincre. Et mes confiance ou gagne dans son gagne, il est fragile. Parce qu'elle était seulement au niveau cœur, puisque raison pas convaincre. Pour raison convaincre, il faut gagner des réponses qui sont en bas des questions. La vérité exige, j'aime lui faire appel à la raison. Jésus, ça m'a confiance dans lui pour mourir pour lui. Qui est lié? Il est le fils de Dieu.
Qui ça le fait? Il mourit pour sauver toute l'humanité. Côté lié, je dis, il mourit, il ressuscite. Il est sous le droit de bon Dieu, la pétesse de vous. Ce n'est pas un fablier, son réalité. Et non seulement, Jésus, ça me croit dans l'IA, il prouve le vivant. L'envime, il prouve le vivant. Ce n'est pas un petit grain de mort, maintenant, dans le coum, qui fait diable à manger. Ce n'est pas un verre me tracé. C'est mon vieux Marc. Sous confiance en Jésus. Et puis, à confiance dans mon autorité sous diable. Et pour ma quête bague qui n'en doit être moins. Son confiance m'a donné Jésus réel. Elle prouvait m'y vivre dans la vie. Et mon prière. On Jésus seulement. Et mon chaîne. Et s'il vous plaît, qui n'est qui est chaîne? Qui n'est qui est bague là? Qui n'est qui est tigre dans moi? Qui n'est qu'à le point? Confiance moi dans Jésus seulement. Bon, autorité sur vous. Par contre, si vous comprenez, Jésus a prouvé le vivant et le réel dans la vie. Vous n'avez pas de gros bagages Jésus a fait dans la vie. C'est parce que vieux sentiment de gagner l'homme dans le monde. Pas de rien de capable de faire qui vous fait bagage plusieurs femmes. Pas de rien de faire qui vous fait plusieurs garçons. Pas de rien de faire si vous n'avez pas de l'état pour vous. Son Jésus seulement. Mais quoi dans l'île transforme vim. Jésus a montré le réel. Comme qu'a défendre vérité moi quoi dans l'ia. Pas que aucun attendez, pas que aucun remède. Le monde qu'a fait, il cabaille. Pour faire un monde qui a des grands sentiments mes femmes, remen folo, remen bail menti pour faire quitter ça. C'est Jésus qui a transformé vieux. Et c'est Jésus qui comprend une femme dans le café, il fait le missionnaire. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui a fait. Il pouvait venir réel. Cela avait dit, la Bible est fait réel. Il a enseigné pour me confiance dans Jésus. Et si je défends la vérité, je me preuve dans même. Je me preuve. Ça fait l'homme venir poser question. Et réponse fait me grandir dans la foi. Parce que réponse, les fait un vrai christianisme. Parce que le christianisme, c'est la foi qui réfléchit. Pour qui ça en théologie est obligé d'exister? Oui, il doit exister. Parce que dans la théologie, c'est la foi qui cherche à comprendre. Dans tout ça, mon croyant, et puis dans la théologie, mal questionné. Et finalement, mal cherché à comprendre bien. Et ça, c'est le rôle de la théologie. Oui, t'as dit. Théologie, elle aime la théologie, elle t'a dit, mais elle aime plus près, bon Dieu. Mais elle n'a pas dit, elle aime plus baroque. En théologie, elle aime plus radieux dans l'église. Les amis, c'est vite. Une pire guerre. Ce n'est pas une théologie à ça. Pour me défendre la vérité. La doctrine chrétienne, pas oublier. Ensemble de vérité, ça. L'aime quoi dans l'île, il forme ça que l'on doctrine. La doctrine chrétienne, c'est une synthèse organisée de tout ça la Bible enseigne au sujet de vérité. On pile bagaille, on pile question. Qui ça? Comment? On est capable de différencier le bien et le mal. La Bible enseigne ça et il forme mon doctrine. Qui ça pour arriver après la mort? Après la mort, tout n'est pas fini. Ok? Pour qui ça? En pile mauvais bagaille, ça va passer dans le monde. Mon Dieu, papa, une réponse rapide. La Bible a une réponse là. Et pour qui ça? Et tout
bagay sa yo, tout moun a parlé yon chrétien mal a bat pour détruire yon chrétien, tout yon chrétien. Et puis Jésus là, il va dire rien. Parce que la Bible a une réponse. Donc, en fait, moi besoin yon paix, moi besoin joie. Mais qui côté m'a joué ni? Qui côté m'a joué ni? Monsieur, moi m'dis nous bien. Et seulement Jésus, seulement qu'a croit là-dedans. Et qui pour faire, ou ap marcher Haïti qui tout non valé l'ombre de la mort, pour ap marcher sans trembler. C'est Jésus ou qu'a croit dans lui. Mais nèg qui plus mystique troublé. Mais nous les chrétiens, gardez bien, nous les chrétiens, yeux nous pas fixés sur ça qui sous la terre, mais yeux nous fixés en haut. Nous sommes pas quatre monde qui plantés et sont mystérieux parce que chrétiens, toutes sont plantées racines sans balier, mais qu'on y a mes racines chrétiens sans les lier. Et ça fait s'arrêter au mystère. Et j'ai besoin de comprendre ça. Donc, mais pendant que je défends la vérité, je prends un piège. Ça est important. Qui ça qui fait que je ne pas prendre un piège? Pas de connaissance, mais connaissance en piège. Je pas de connaissance en piège. Premier bagaille, nous avons besoin de pour discerner une connaissance, les bons, une vérité, son vérité livrée. Connaissance ou gain, li doué fait appel à discernement. Pourquoi l'église a là? Philippiens 1er verset 9 à 10, ba yon réponse. Li ba yon réponse, mais ça apôtre Paul dit. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Avec dit, si connaissance n'a pas fait appel à discernement, je vais prendre un piège. Pour me garder discerner, ça me croit dans l'IA. Je m'a défendu. Est-ce que je me défends dans le sens pour me défendre? Parce que vous vérité, mais puisque vous n'avez pas discernement, vous échouez. Vous croyez l'église là? Nous avons besoin de ça. Connaissance sans discernement, l'irrité yon théorie. Depuis connaissance là, ou gagne ou pas gagne discernement son théorie ou gagne, mais pas gagne pratique. Est-ce que nous lavem? Parce que li pas discerné. Donc, un monde qui pas gagne discernement, son monde li facilement li kon tombe dans sacrilé charisme. Ça veut dire yon faux enseignement. Depuis ou pas gagne discernement, ou gen connaissance ou gen, ou ka vin tombe dans faux enseignement. M'bezon comprendre. Ça veut dire connaissance ou an de faire appel à qui ça? À discernement. Deuxièmement, connaissance ou an de faire appel à la grâce. Pas gen connaissance sans grâce. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, il dit, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez bien. Nous besoin qu'on y a connaissance sans la grâce. On apprend toujours plus bagaille de Dieu, mais tandis que ou pas jamais approcher de Dieu. Lorsqu'on connaissance sans la grâce, ou grand pile connaissance. Mais connaissance ou gain, on apprend chaque jour de bon Dieu, mais pas jamais approcher près bon Dieu. Ça veut dire ou vinn rete sacré yon légaliste. Et sacré le légalisme. Ou gain connaissance de bon Dieu, mais ou pas jamais approcher près bon Dieu. Ni dans la sanctification, ni dans la réalité spirituelle, ou pas jamais approcher plus près bon Dieu. Et connaissance non gain. Avait dit pas gain connaissance sans la grâce. Ou quoi nous là? Et c'est ça qui a fait de yon. En pile, moun n'a pas pris en pile bagay de bon Dieu, mais ou pas gain grâce bon Dieu pour accompagner. Troisième bagay. Pas gain connaissance sans amour. Connaissance sans doué accompagner amour. Non. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Il dit, même si moi ta gen connaissance tout mystère net, mais depuis m'a gagner amour bagay la pap servim en rien. M'a tant kon cymbal ka fait gros bruit mais en dedans vide. Ça veut dire connaissance sans amour rend orgueilleux. Quoi l'église là? Connaissance sans amour rend nous orgueilleux. Cela veut dire comme si ou gen vérité a ou gen lettre l'amour pas gen l'esprit a.
ou besoin qu'on a. L'être sans l'esprit tue. Parce qu'il rend nous orgueilleux. Donc, l'amour, c'est lui-même qui édifie. L'amour, c'est lui qui édifie. Mais connaissance, non, lui, en fléau. Ça veut dire que ça fait depuis que connaissance n'a pas accompagné l'amour. Donc, ou pas qu'à servir bon Dieu bien. Parce qu'on a vu nos monde qui orgueille. Tout ça, moun dit ou te connaît déjà. Donc, ça veut dire connaissance n'a pas de problème. L'elle pas accompagné l'amour. Ça veut dire, yon vraie connaissance pour identifier. Faut connaissance là accompagner le discernement. Faut connaissance accompagner la grâce. Faut connaissance accompagner l'amour. Avec si vérité ou orgueil, il pas accompagner discernement, il pas accompagner la grâce, il pas accompagner l'amour, et ben quitte me dire, là seulement rete un bagage en l'air. Et le pape menon nulle part. Et m'a dit un bagage, l'église. M'a dit un bagage. Mettez dans tête tout. Mettez dans tête tout. Yon moun k'ap servi bon Dieu. Qui ça lui, ou son porteur de grâce? Ou son porteur de grâce? Comment identifier des hommes de Dieu, des femmes de Dieu? Comment identifier vérité? Tout ça est important. Bon, me dire ou bien, si l'évangile qui n'a vie moi-même avant là, si l'évangile là, il n'a pas porté guérison pour malade, il n'a pas porté délivrance pour monde qui est opprimé, li pa pote consolation pour moun ki attristé. Li pa pote la paix pour moun ki bouleversé. Li pa pote restauration pour moun ki opprimé. Eh bien, on consacrive, l'évangile ça a pas gen aucun signe divin là-dedans. Pour l'église a comprendre ça me dit là. Est-ce que me mettre reprendre pour nous? Bon me reprendre pour si l'évangile l'envie moi-même avec vous, il n'a pas porté guérison pour malade. Il n'a pas porté consolation pour monde qui est affligé. Il n'a pas porté délivrance pour monde qui est opprimé. Il n'a pas porté la paix pour monde qui est troublé. L'évangile a arrêté dans vie nous. Il n'a pas porté, depuis il n'a pas porté bagaille ça, il n'a pas aucun signe divin là-dedans. Pas grand rien qu'à monter l'évangile à l'idée de Dieu. Et c'est ça que fait de nos jours. Nous sentons l'église la pâle. Parce que l'église la prêché. Mais pourtant, maladie est toujours là. L'église la prêché. Mais opprimé, toujours là. L'église la prêché. Pendant monde. Tellement bouleversé, vous voulez tout tête yo. L'évangile a prêché pendant qu'il y a un pile moun dans l'église qui possédait. Ça veut dire l'évangile n'a pas porté délivrance. Et c'est ça que fait. Jusqu'à présent, l'évangile là, où est que il n'y a pas de signe qui peut montrer l'idée de Dieu. Et là, vérité qui doit chiter dans la vie noire, il doit faire nous comprendre ça, nécessité. Pour l'évangile la porter transformation et pour le porter la vie. Parce que différence qui te gagne en Jésus avec Pharisiens te connent parler de bon Dieu. Mais Jésus-Christ vini pour montrer nous la vie bon Dieu. C'est différence là. Tout pharisien te connent parler de bon Dieu. Mais Jésus vient montrer même la vie bon Dieu même. La vie bon Dieu en action li. La vie bon Dieu en comportement. La vie bon Dieu en œuvre li. Et c'est ça l'évangile là de porter dans la vie. Et c'est ça la vérité là, li doit porter dans la vie nous. Donc en fait, nous besoin qu'on est bien-aimé matin. Nous besoin qu'on est l'évangile là de chita dans pensée. Vérité là de chita dans pensée. Et pensée ou pas doit être différent avec destinée ou. Ah, nous gèlè pas là l'église. Est-ce que l'église a comprendre ça n'a dit matin? Bon me dit ou. S'aimer une pensée
vous récolterez une action. Semer une action, vous récolterez une habitude. Et semer une habitude, vous récolterez un caractère. Et semer un caractère, vous récolterez une destinée. Pourquoi nous là l'église? Ça avait dit vérité à ou est destinée au prend forme. Ah. Pourquoi nous là? Demain on va me dire ça. Demain on futur la prend forme. La prend forme pensée. L'église nous les amis là, va me reprendre pour nous. Futur nous, destinée nous, demain nous à prend forme pensée nous. Alléluia. J'en pensais et c'est comme ça démon a prié. Ouais, je dis ya, roche ou a tiré dans pensée ou vie mauvaise pensée ou gen contre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, li pral prend forme de destinée ou demain on pral prend forme. M'a reprendre pour nous. Semer une pensée, vous récolterez une action. Semer une action, vous récolterez une habitude. Semer une habitude, vous récolterez un caractère. Et semer un caractère, vous récolterez une destinée. Et maison comprendre ça. Donc, en fait, moi-même avec nous créé pour nous connaître bon Dieu. Nous faites pour ça. Pour nous connaître bon Dieu. Connaître bon Dieu, l'apprendre nous sage. Connaître bon Dieu, l'apprendre visier nous. Connaître bon Dieu, l'apprendre nous l'espérance. Connaître bon Dieu, la paix de nous faire face avec tout problème. Ça veut dire, lorsqu'on est bon Dieu, on ne peut pas troubler l'église. Lorsqu'on est bon Dieu, on bagaille qui passe, on connaît. Jean Texte a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, me dis nous, m'a fini pour me dire nous. Matin, m'a fini comme ça, me dis nous. Apôtre Amel la fleur. Li rete yon zanmi a nou menm. Yon conseiller, yon frère. Ou la vèm? Publiquement. Et nou avèl parce que nou konnen. C'est yon homme de Dieu. Pourquoi nous là? Et qui t'aime di ou? M bezwen comprendre ça. Persécution ou non pas? Si yon touye yon, yon touye plusieurs. Parce que bon me dit ou bien, la première siècle, on a disciple yon fait, yon paquet de chrétiens qui a le caché dans tout. Yon pa vle pare tête yon. Ennemi a le caché dans tout. Yon fait une série de piquets de bois. Et puis y a tout les chrétiens qui a le caché dans catacombe. Yo tout yé ou même dans tout. Avi di so ya wa paret. Ou pas vle camper. Faut essence ou pas identifier. Ay gen bagay ou yé, gen moun ou yé, ou pas camper koto ya ya pou ese ou. Bon di nou bien. Jésus dans la cour devant conseil là. Pierre juste dans la cuisine. Là le caché. Et là arrive pendant la palais dans la cuisine non. Il y a une femme qui parle, il dit "Ah, pas le même Jésus." Il dit là, il t'a avec lui parce qu'il parle même avec elle. Elle caché dans la cuisine oui. Côté là le caché là, il parlait pendant le palais, il dit "Ah, pas le même avec elle." Elle dit, il y a qu'on a quand même le langage. Et ça fait obligé de paraître. Dans le langage. Il y a qu'on a soyé. Un homme de Dieu. Une femme de Dieu. Bon Dieu investi dans lui. M'a dit non bien monsieur, m'a dit non. Bon ferme Bible là, fini. M'a dit non bagaille. Et m'a besoin l'église et tout le monde qui attendait nous connaît ça.
Ouais, sacré les moun bon Dieu, sacré les serviteurs bon Dieu. Homme de Dieu, ou soyons femme de Dieu, bon Dieu prend temps pour le préparer. Bon Dieu, bon Dieu pas du jour au lendemain lever un monde comme ça. Ouais, laissez-le qu'a préparer un monde, laissez-le qu'a lever, soulever tête, hein, vous connaissez. Mais laissez bon Dieu qu'a lever, lui prend temps pour le préparer. Et ouais, ça ouais bon Dieu préparé. Ça ouais bon Dieu investi dans lui. Ça ouais bon Dieu, garder que tu prends tant des années pour le préparer, il pas perdre comme ça. Vous entendez ça me dire? Mon bon Dieu prend temps pour le préparer, il va pas dire comme ça. Attendez bien. Après d'après où? Vous pensez bon Dieu prend 40 ans pour le préparer Moïse et puis il va quitter un vieux Corée fine avec comme ça. Corée monte tête Israël contre Moïse, bon Dieu décide de détruire Israël pour Moïse. Bon Dieu, allez, m'a prépondre pour nous. Corée, monte tête Israël contre Moïse. Bon Dieu décide de détruire Israël pour Moïse. Et 40 ans, il prend pour le préparer. 40 ans, hein? Alors bon Dieu, finit pour 40 ans pour le préparer au monde. Et puis un bon matin, il quitte au détruit. Il quitte au détruit. Bon Dieu prend temps pour lever le monde. L'elle finit lever et puis un bon matin qui te détruit comme ça. Et si l'elle arrive, si l'elle arrive pour le quitter terre ça, l'a quitter terre, n'a tout elle. Mais quand même, il faut qu'il y ait des signes pour Dieu montrer l'idée de Dieu. Mais je ne comprends ça. Écoutez bien. Bon Dieu prend 14 ans. Il prend 14 ans pour le préparer en Joseph. Et puis un bon matin, petit complot frère, tu vas essayer si c'est là, définir avec comme ça. Non. Bon Dieu prend temps pour le préparer les gens. Et on me dit, non, m'a fini pour me dire non. Dans la même vérité, ça. Ou est-ce que bon Dieu prend temps pour le préparer les gens, prie d'avec, entendez? Bon Dieu prend 17 ans pour le préparer en David. Et puis là, qui ton vieux Saïl finit avec comme ça. 17 ans pour le préparer en serviteur. Et puis là, level. Et puis là, qui ton viable salon qui infecte même les petits liens. Là, qui ton finit avec comme ça. Bon, bon, m'dou bien. Pour David, bon Dieu finit prend temps le préparer. Bon, gros sage en Israël. L'el parle yo considérer parole li comme parole qui sorti dans bon Dieu. Achitopel. Mais Achitopel pas jamais tenir compte sagesse quand dans là et pour David bon Dieu metel. Bamdou. A fini oui. Bamdou bien. Depuis bon Dieu prend temps pour le préparer au monde, li investi non paquet monde quand tout elle pour sécurité monde pas là. Et ouais tout ça bon Dieu semé nan ou nan li. C'est pour le monde mondial, c'est mille. Bon Dieu prend Araon, il prend Marie, il y a une grâce, il met en dedans, et puis il met entouré Moïse. Et messieurs, dames, vous ne comprenez pas ça. Les élèves contre Moïse par Ruiz, Coréa. Ils ont infecté par Corée. Et là, ils ont décidé d'infecter par Corée. Ils ont parti de Corée. Et puis les. Bon Dieu convoqué devant tant d'assignations. Et puis il dit, messieurs, dames, vous ne savez pas prophète, pas vrai? Mais, et non, son envie de balle avec nous. Mais moi, ils sont formes de balle avec nous. Il dit, messieurs, nous pas peur. Et puis il rappelait Araon, c'est prophète Moïse ou pas prophète moi? Araon, c'est prophète Moïse ou elle dit Marie. Li wèl rentre bouche entre bagay, même côté à lèp calé sous lui. Achitopel a tout sagesse, il a l'enfer parce qu'elle lit tout et tête lui. Parce que sagesse là, puisque sagesse comme don là. Et pour David mettez-le. Ou pas avec David encore, sagesse ou pas important pour bon Dieu encore.
Même la vie ou pas important pour bon Dieu encore. Des moun bon Dieu met entouré un homme de Dieu, une femme de Dieu. Un homme de Dieu l'a plevé. Ou trahi homme de Dieu. Même la vie ici pas important pour bon Dieu encore. Regardez, ou ap marcher de malheur en malheur. Ou ap marcher de piège en piège. Parce que sac nan ou an, c'est pour aider, c'est pour conseiller, c'est pour guider, c'est pour servir. Et ça fait, moi dis nous, si nous connaissons vérité a ban nous liberté. Tout le monde qui attend de nous partout, l'église là, si nous connaissons vérité a de ban nous liberté. Moi mande nous pour nous libre dans l'esprit nous, quitter vérité a franchi nous. Et puis camper pour vérité. Prends forme vérité et défend vérité. Que le Seigneur vous bénisse.